Pour réaliser les différentes tâches administratives, on va utiliser SQL Server Management Studio. À l'aide de cet outil, on peut réaliser les opérations administratives aussi bien au travers de l'interface graphique qu'en ligne de commande. La première opération va donc consister ici à créer une nouvelle base de données. Cette base de données, on va visualiser comment la créer à l'aide de la ligne de commande, puis on ira voir le résultat de cette instruction au travers de l'interface graphique, et enfin, on va créer une base de données dans l'interface graphique. Par la suite, pour toutes les opérations de modification de la base de données, on ira visualiser au travers de la ligne de commande bien comment on peut modifier un certain nombre d'options et on ira consulter le résultat de cette modification dans l'interface graphique. Donc pour créer une base de données, eh bien il faut utiliser l'instruction createDatabase. Cette instruction, on peut l'utiliser tout simplement, c'est-à-dire createDatabase et le nom de la base de données, ce qui va permettre de créer une base de données par défaut. Vous l'avez d'ailleurs peut-être fait auparavant. On peut également compléter cette instruction avec les options onPrimary et logOn qui vont permettre de donner plus d'informations concernant le fichier de données et le fichier journal. En ce qui concerne le fichier de données, il va être créé sur le groupe de fichiers primary ou groupe de fichiers primaire. Ce groupe de fichiers existe toujours. Pour le fichier de données, on va donc préciser un nom logique à l'aide de l'option name. Donc ici, le nom logique, c'est PPAL SQL. Un file name ou un nom physique, c'est-à-dire physiquement où ce fichier va-t-il être créé. Une taille initiale, 5 mégas, même si initialement ma base de données ne contient aucune information et donc contient moins de 5 mégas d'informations. Il est à noter tout de même qu'on ne peut pas créer ainsi un fichier qui ait une taille inférieure à ce qui est précisé au niveau de la base modèle. Le max size, c'est-à-dire la taille maximale de mon fichier, 15 mégas, et le pourcentage d'accroissement ou file growth, ici, il est à 0. C'est donc dire que mon fichier, eh bien, ne va pas croître automatiquement. Pour le fichier journal, on va préciser exactement les mêmes options, le name, le file name, le size et le max size. On remarque simplement, eh bien, qu'en ce qui concerne le size et le max size, on a des dimensions, des valeurs moindres. C'est normal, c'est un fichier journal. Ce qui distingue également le fichier de données du fichier journal, eh bien, c'est l'extension du fichier MDF comme master data file pour le fichier de données principal et LDF comme log data file pour le fichier journal. On va donc exécuter cette instruction et après quelques instants, eh bien, le message apparaît comme quoi la commande est réussie, c'est donc dire que la base de données est bien créée. On va aller visualiser ce résultat au travers de l'interface graphique, donc on va aller se positionner sur une base de données et bien entendu, il faut réactualiser la vue. Cette fois-ci, Management Studio, plus exactement l'explorateur de Management Studio, va aller interroger les tables et vues système pour connaître les bases de données qui existent sur ce serveur et la base test SQL apparaît. On peut, au travers de la boîte de dialogue de propriétés, eh bien, visualiser les différentes propriétés de cette base et entre autres, sur la page fichier, eh bien, on voit bien apparaître nos deux fichiers PPAL SQL et log SQL qui sont les deux fichiers. PPAL SQL, c'est le fichier de données et log SQL, le fichier journal. On peut également, si on le souhaite, créer une base de données directement depuis l'explorateur d'objets. Pour ça, on va se rendre sur une base de données et dans le menu contextuel, on va prendre le choix Nouvelle base de données. On va taper par exemple ici le choix Test manuel. Et donc, automatiquement, eh bien, Management Studio va proposer un nom logique de fichier. D'accord. Le fichier va donc s'appeler test manuel en ce qui concerne le fichier de données principal et test manuel underscore log pour représenter le journal. On voit que par défaut, eh bien, Management Studio précise des tailles, une taille initiale pour le fichier de données et une taille initiale pour le journal. Il précise également, eh bien, une croissance automatique. D'accord. On peut aller corriger, modifier, ces paramètres de croissance automatique directement au travers de ce petit bouton. Eh bien, on peut fixer la croissance du fichier en pourcentage ou en mégaoctets, et on peut fixer cette fois-ci la taille maximale, soit illimitée, soit, eh bien, par exemple, ici à 100 mégas. On va laisser les valeurs par défaut. Et enfin, dernière option, eh bien, l'emplacement physique, le chemin physique dans lequel, eh bien, les fichiers données vont être créés. Cette fois-ci, Management Studio reprend le paramètre qui a été fixé au moment de l'installation de mon instance SQL Server. On voit donc que, en ce qui concerne ces choix-là, d'installation, eh bien, c'est pas du tout un choix définitif. C'est un choix qui permet de proposer une valeur par défaut quand on crée une base de données. Voilà, on peut donc créer cette base, même si, le chemin n'est pas parfait. La base est créée et, bien sûr,
on la voit apparaître directement depuis l'explorateur d'objets puisqu'elle a été créée au travers de l'explorateur d'objets. Maintenant que la base est créée, eh bien, il est également possible de la modifier. Et pour modifier cette base de données, on va utiliser l'instruction alter database. Donc on a par exemple un premier script alter database qui va aller modifier le fichier donné. On va ici faire deux modifications dans la même instruction alter database. On va changer le nom logique du fichier principal de données. Donc le fichier principal qui s'appelait ppalsql va prendre comme nouveau nom ppaltestsql et la nouvelle taille initiale de ce fichier va donc être de 6 mégas. On va exécuter ce script. Comme toujours, avant d'aller visualiser les propriétés, on va actualiser la vue. Et enfin, on va afficher les propriétés de la base TestSQL. Au niveau de la page fichier, eh bien, on constate le nouveau nom logique, ppaltestsql, mais également la nouvelle taille initiale de ma base de données. On peut bien sûr faire d'autres modifications. Et cette fois-ci, on va donc tenter de rajouter un fichier de données. Pour ça, on va toujours passer par l'instruction alter database, mais on va utiliser l'option add file pour ajouter un fichier de données. Donc le nom de ce fichier de données, eh bien c'est 2SQL. Le nom physique, c'est c2.données2.ndf comme secondary data file. Une taille initiale de 1 méga, une taille maximale de 10 mégas et un pas d'accroissement de 1 méga. On va donc exécuter ce script, puis comme toujours, eh bien, visualiser au travers de la boîte de dialogue de propriétés. Donc, on actualise et on affiche les propriétés. Au niveau de la page de fichiers, eh bien, on voit bien apparaître le fichier de SQL qui est un fichier de données. Alors, il est bien évident qu'au travers de l'interface graphique, si jamais on voulait rajouter un fichier de données, eh bien, il suffit d'utiliser cette fois-ci le petit bouton ajouter et on n'a plus qu'à saisir le nom du fichier, le type, d'accord, la taille initiale, le pourcentage d'accroissement et l'emplacement. On va également utiliser l'instruction alter database, cette fois-ci non pas pour aller modifier des fichiers donnés, mais plus exactement pour aller modifier le journal. Donc, ce qui change, c'est qu'au lieu de que ce soit une option add file, eh bien, c'est un add log file pour bien préciser qu'on va rajouter un fichier journal. Donc ici, on rajoute le fichier journal log2. Le filename, c'est c2.données log2.ldf. Tous les fichiers journaux portent l'extension ldf et on conserve les paramètres size, maxSize et file group. On exécute donc ce script. On va visualiser les informations. Donc, on actualise la vue. On affiche les propriétés. Et au niveau des fichiers, eh bien, on voit bien apparaître mon log2, c'est-à-dire mon deuxième fichier journal.